J'ai commencé la photographie lorsque j'étais en études à la Faculté des Arts d'Amiens, mais plutôt de mon côté en fait. J'avais la théorie photographique, mais la pratique, je l'ai vraiment faite à côté. J'ai commencé à travailler sur moi-même par le biais de l'autoportrait. Je faisais des photographies de mon visage, de mon corps. Je travaillais beaucoup sur la lumière. Des photos très contrastées. Par la suite, j'ai commencé à exposer. Les personnes, en fait, ce sont des photographies qui dénotent de ma pratique artistique, car c'était vraiment un essai sur le paysage et la couleur. Parce que notamment, je photographie beaucoup en noir et blanc. Il y a quelques clichés quand même en noir et blanc ici. Lovers, il s'agit d'un couple d'Iraniens à Isfahan, dans un restaurant traditionnel. Les Iraniens ont peu de démonstrations affectives sur la voie publique, mais de temps en temps, ils se prennent la main en catimini ou ce genre de choses. Et ce que j'ai trouvé très mignon, très beau, c'était ce petit couple qui parlait à voix basse, qui se tenait la main. Et donc j'étais en train de manger, et je les ai regardés, j'ai saisi mon appareil photo et je me suis dit, faut les prendre en photo, ces deux-là, et voilà. Il y a une vraie scène contemporaine iranienne, depuis 10 ans, qui est exposée en art contemporain, notamment en photographie. C'est ça aussi qui m'intéressait, aller voir sur place. J'ai beaucoup rencontré, par exemple, de gens réalisateurs qui faisaient des documentaires sur leurs conditions de vie, leurs conditions aussi de vie artistique. Beaucoup de femmes artistes, plus que je l'aurais cru. Tu as dépassé de 1000 ans doute, raison et illusion. D'où es-tu, toi? Et les sottises de celui qui doute sont doux. Tu es l'oiseau à 4 plumes, pour qu'au ciel tu puisses voler. Tu es doux, toi. Et le chemin, par le toit et l'échelle, doux. Un trousseau de clés est tenu sous le bras même de l'amour. Et c'est pour porter un grand message qu'il est venu. Silence. Les exemples clairs vont contre notre règlement. Sans cela, nulle règle de vie à ton oreille n'est venue. Monsieur, je suis le valet de chambre de monsieur, dont on a parlé à monsieur. Vous êtes français, vous vous nommez John. Jean. N'en déplaise à monsieur, Jean Passepartout. Un surnom qui m'est resté et qui justifie mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Passepartout me convient. Voilà d'ailleurs plusieurs années que vous êtes au service du club et on a toujours été satisfait de vos services. J'ajouterai que je suis au courant des habitudes de monsieur. Le lever à 8h, le thé et les rôtis à 8h23, le courrier à 9h35, la coiffure à 10h-7, l'armoire B série H pour les pantalons, l'armoire série K S pour les gilets, l'eau pour la barbe à la température de 35 degrés l'hiver et de 17 degrés l'été. Phileas Fogg et Passepartout étaient donc partis pour faire le tour du monde en 80 jours. Pour ce faire, ils prirent le canal de Suez. Et grâce à ce canal, ils ont atteint l'Égypte en moins de 7 jours. Ils arrivèrent à New York, mais avec 12 heures de retard. Et le China? Le paquebot qu'ils devaient prendre était parti depuis la veille. Ils ont dû se contenter d'un vieux navire de commerce, l'Henrietta, qui était le seul en partance. Mais pas grâce au capitaine, qui lui ne voulait de personne. Mais grâce à l'armateur, qui avait entendu parler de ce pari fou de Phileas Fogg, et il avait envie de l'aider.